Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, merci à vous, chers Congolais de la diaspora, chers Congolais de Bouindé et chers Congolais de Ituri, Haïti, partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci parce que vous étiez très, très, très nombreux à m'envoyer plus de 100 questions par rapport à mon invité d'aujourd'hui et d'autres recommandations et surtout les notables de Grand Équateur. Nous vous disons merci, vous également, vous avez porté l'intérêt à cette émission. Il est là avec nous, notre invité des marques comme tant d'autres. Il a répondu à l'invitation de la population. Il est ici avec nous, l'ancien ministre de la Santé. Il est au cadre de l'UDPS, notable du Grand Équateur, M. Eteni Longondo. Il est ici. M. Eteni, soyez le bienvenu. Je vous salue, monsieur le journaliste. Êtes-vous fier de faire cet exercice? Parce que vous êtes l'invité de la population. Oui, je suis très fier, pour autant que je suis pour la population et que dans mon parti, notre devise, c'est le peuple d'abord. Okay. Donc, tout ce dont le peuple a besoin, comme explication, comme éclairage, nous sommes là pour le faire. Voilà, monsieur Eteni Longondo, je précise que vous êtes ancien ministre de la Santé. Vous êtes autorité au sein de l'UDPS, et je précise bien autorité parce que vous êtes au cadre de l'UDPS, notable de Grand Équateur. Donc, d'entrée des jeux avec vous, nous allons également décrypter le grand sujet d'actualité avec vous. Processus électoral, on va en parler. La situation de l'Est, on en parle. Le peuple d'abord, où en sommes-nous avec le régime Tshisekedi? On va en parler avec mon invité et d'autres questions qui fera l'objet de l'actualité. Mais avant tout, j'aimerais quand même essayer un peu de parler de l'UDPS. Vous étiez très nombreux, chers combattants, chers fondateurs. Il y a des fondateurs qui m'ont appelé. Je salue honorable François Lusangangele. Là, vous êtes en train de me suivre, branché. Alors, monsieur Eteni Longondo, je vais avoir la photo du Sphinx de l'UMETE, Étienne Tshisekedi, papa Freddy. Donnez-moi un peu la photo d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Eteni Longondo, un homme très réservé, un homme qui ne parlait pas trop, mais un homme qui était plus dans l'action. Aujourd'hui, ministre honoraire, mais le pays a encore besoin de vous. Vous pouvez servir encore le pays. Mais quand vous regardez la photo de Étienne Tshisekedi, ça fait déjà autant d'années, l'homme ne plus. Vous regrettez son absence au sein du parti parce qu'il semble que tout ce qu'il avait laissé, il n'y a plus de fonds. Bon, je voudrais d'abord préciser que le défunt Étienne Tshisekedi fut notre mentor à nous tous. Quand j'étais à l'étranger, je venais ici, c'est lui qui m'a donné l'amour de travailler pour ce pays. Donc à chaque fois que je venais en vacances, je le rencontrais. Et aussi en 2010, quand je suis rentré au Congo pour travailler pendant 5 ans, on était en contact avec lui. Et c'est un monsieur que nous, les Congolais, n'avons pas très bien compris à son temps. Et même le politicien, en son temps, quand il était encore vivant, les gens ne l'ont pas très bien compris. Et c'est comme ça, hein, le destin de gens qui viennent avec de nouvelles idées, des gens qui veulent changer le monde, et ils ne sont pas toujours compris. C'est un peu comme des prophètes. Mais comme c'est Lumumba, exactement, comme Sékou Touré. Exactement, tout ce monde-là, même Jésus-Christ lui-même aussi, okay, n'était pas compris en son temps. Et c'est après que les gens commencent à comprendre sa vision, à se rendre compte de l'amour qu'il avait envers ce pays. Et puis évidemment, c'est ça, c'est après l'avoir torturé, après l'avoir injurié, après l'avoir fait de mal, maintenant les gens commencent à comprendre. Vous voyez, avec la vision qu'il nous avait léguée, parce que
Il était notre mentor à nous tous. Ah, tu sais qu'il avait laissé une vision ? Le peuple d'abord, quand je vous parle. Okay. Alors, il était notre mentor à nous tous, y compris le président actuel. Et nous pensons que nous regrettons le fait qu'il est parti, n'est-ce pas ? Nous avions encore besoin de lui. Heureusement qu'il nous a laissé aussi cette vision qui est mise en pratique par le président actuel, donc le président Félix Antoine Tshisekedi. Je répète ma question, Monsieur Teny Longondo. Il semble que l'homme, là où il est dans sa tombe, il est en train de tourner. Parce que ce qu'il avait non, laissé. C'est ce que je dis. C'est qu'il avait il y a des gens qui. Je vais y arriver. Oui, il y a des gens qui disent que ce qu'il avait laissé. N'est pas. Il n'y a plus de fondement. Non, il n'y a plus de fondement. Oui, comment? Parce que nous avons, au niveau de la République, un de ses élèves, en la personne du président Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de reprendre exactement sa vision, ce qu'il a laissé. Et Tshisekedi est pourquoi... président de la République, parlons d'abord de l'UDPS. Non, je parle aussi de l'UDPS parce qu'il est président de la République, il est... Vous le mêlez un peu trop, vous le poussez à violer la Constitution, mais restons d'abord Qui sein pousse, de l'UDPS. Parlons de l'UDPS. Qui le pousse mais le président de l'UDPS, qu'on le veuille ou pas, il vient de l'UDPS. Mm. Et quand vous dites que il est en train de... Vous avez utilisé quel terme là de tourner dans sa tombe parce qu'il n'y a plus de fondement au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, ça je vais aborder après, mais son but, son combat, l'objectif de son combat, c'était de prendre le pouvoir et de transformer le Congo, n'est-ce pas? C'était ça, au fait, le but de la création de son mouvement, le parti politique UDPS. Et maintenant qu'on a pris le... Il n'est plus là, mais nous avons pris le pouvoir à travers le président actuel, Félix Tshisekedi. Et vous voyez ce qui est en train d'être fait par rapport à sa vision. Vous avez pris les pouvoirs. Pris les pouvoirs. On vous a donné le pouvoir. Qui nous a donné le pouvoir? C'est le peuple. Vous avez dit, vous avez pris le pouvoir. Oui, pris le pouvoir, c'est-à-dire le peuple nous a donné le pouvoir et nous l'avons pris. Pas Kabila. Est-ce que Kabila peut nous donner à quelqu'un le pouvoir dans ce pays? Vous dites Non, je ne crois pas. Joseph Kabila, j'ai pas de Joseph Kabila. Oui, que ce soit Kabila le père ou Kabila le fils, je ne crois pas qu'ils ont le pouvoir de remettre à quelqu'un le pouvoir. Non. Non, c'est que Kabila a fait quand le peuple a élu le président Félix Antoine Tshisekedi. Kabila, comme ancien président, il a fait ce qu'on lui reconnaît aussi, la passation de pouvoir pacifique pour la première fois dans ce pays. Ah, les pères de l'alternance, Joseph Kabila, oui, je comprends. Oui, mais vous comprenez comme vous voulez, mais moi je vous dis ce qui s'est passé. Kabila est le père de l'alternance. Bon, c'est vous qui le dites. Moi j'ai constaté, parce que moi j'étais là le jour de la passation de pouvoir. Ça s'est passé paisiblement et ça, c'est déjà bien. Et nous pensons aussi que les présidents qui viendront dans l'avenir feront la même chose. Alors, je ne vais pas aller un peu trop vite. J'ai l'impression que vous évitez un peu de questions de l'UDPS. J'aimerais que Papa Freddy, vous puissiez me donner la photo du secrétaire général de l'UDPS actuel, M. Augustin Kabuya, M. Teny Longondo, comme au cadre de l'UDPS, votre parti est dirigé par M. Augustin Kabuya. Avant Augustin Kabuya, c'était le faiseur de roi, Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, c'est Augustin Kabuya. Quelle différence faites-vous entre le secrétariat général de Jean-Marc Kabound et d'Augustin Kabuya? Bon, pour la petite histoire, je crois que j'ai travaillé avec les deux. Okay. Avec le premier, j'étais son adjoint, comme secrétaire général adjoint, quand j'étais encore secrétaire général adjoint. C'est Jean-Marc qui était le secrétaire général titulaire. Et nous deux, avec le secrétaire général actuel, Augustin, nous étions des secrétaires généraux adjoints. Donc, c'est au fait une continuité dans l'administration du parti. N'est-ce pas? Évidemment, avec quelques différences, parce que
chacun vient avec sa méthodologie, sa touche, mais c'est une continuité. Je crois que l'essentiel était fait. L'essentiel, quand nous étions les secrétaires généraux adjoints et quand Kabound était secrétaire général, nous avons travaillé, et les présidents actuels, à l'époque était le président du parti, nous avons travaillé pour que l'UDPS puisse prendre le pouvoir, et nous l'avons pris. Évidemment, vous n'aimez pas le terme, mais on nous a élus. Et maintenant, c'était ça l'essentiel. Bon, maintenant, l'administration de l'UDPS, comme je l'ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Kabound était là, n'est-ce pas? Il a travaillé pour le parti. Et le secrétaire général Augustin continue à travailler pour le parti. Et nous pensons que l'essentiel est que le parti puisse avancer, voilà. Et nous sommes en train d'avancer. Voilà, Kabound avait travaillé pour les partis. Loin de moi de vous amener dans des polémiques, mais vous étiez quand même son adjoint. Mmh. Je répète ma question. Est-ce que Kabound était un bon secrétaire général? Était un modèle au sein de l'UDPS? Bon, moi, je crois que j'étais son adjoint. Ok. Et je crois qu'on a très bien travaillé avec lui. Très bien. Très bien travaillé avec lui. Mmh. Et il a beaucoup protégé le parti. Et ça, il faut le reconnaître. Il a beaucoup protégé le parti. Bon, une personne, un être humain n'a jamais été parfait. Hein. Santé voilaise. Non, je le dis parce que je n'aime pas de polémique pour rien. Oui, parce que je le dis, c'est qui est objectif. Oui. N'est-ce pas? Et il était là, il a travaillé pour le parti, il a très bien protégé le parti, mais malheureusement, vous savez, avec le pouvoir, les gens deviennent un peu, je crois, trop indépendants. Dans les goûts du pouvoir. Quand on n'a pas de maîtrise, quand on n'a pas de maîtrise. Ah, c'était le cas avec. Non, il ne faut pas m'amener dans des histoires. Il ne faut pas me faire dire des choses que moi je ne le dis pas. Moi je dis que voilà, avec le pouvoir, il faut avoir beaucoup de maîtrise. Il faut avoir beaucoup de maîtrise. Et je crois qu'il ne l'avait pas. C'était ça le défaut que j'ai remarqué à lui. Ah, il avait le sang chaud. Il avait le sang chaud. Okay. Oui, en voulant trop faire. Mieux faire, vous voyez, vous pouvez déraper. Et c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Et voilà, maintenant qu'il est en prison, parce qu'il a un peu débordé avec son langage, et on lui a demandé de le prouver. Et je ne sais pas s'il a prouvé, mais le juge a trouvé qu'il n'a pas prouvé. Mm-hmm. Ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et maintenant, il est condamné, il est là. Mais il reste un collaborateur qui m'a quand même marqué pendant un moment, parce qu'il faut être vrai, avec son amour du parti l'UDPS. Quand vous parlez de l'amour, il semble qu'il avait aussi l'amour de savoir. Il semble, hein. Vous êtes la personne la mieux placée pour nous aider. Parce que quand l'opinion nous pose des questions, il semble qu'il avait aussi l'amour de savoir. Vous étiez son adjoint. C'est que les reprochés d'un jouisseur, les nouveaux riches qui s'est tapé les luxes au dos de l'UDPS, ils prennent la rétrocommission chez les ministres, vous étiez ministre. Est-ce ces pratiques étaient vraies ou soit c'était de faux bruits, c'était des mensonges? Bon, moi, personnellement, je ne lui ai pas donné de rétrocommission. Ok. Moi, Eteni, je parle Eteni. Mmh. Et c'est une pratique que moi, je ne voudrais pas. Nous sommes venus travailler pour le pays. Peut-être je suis victime de mon caractère. C'est ça. C'est pourquoi peut-être les gens, il y a des gens qui m'apprécient beaucoup. Il y en a aussi qui veulent continuer avec les anciennes habitudes. Les gens vont dire que vous êtes orgueilleux, très orgueilleux. Qui ne m'apprécient pas. Orgueilleux, bon, vous dites que je ne parle pas beaucoup. Comment je peux être un orgueilleux? C'est quelqu'un qui se fait voir, qui est là, qui parle beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Vous pensez que vous êtes irremplaçable? Je fais quoi? Vous boudez un peu les gens, vous pensez que vous êtes irremplaçable? Non, je ne boude pas les gens. Je suis plutôt bien avec mes petits du parti. Okay. Ils viennent à la maison, on mange ensemble, tout ça. Il faut approcher quelqu'un pour le connaître. Quand vous êtes très loin de la personne, vous ne pouvez pas le connaître. Moi, je reçois tous ces petits-là, le parlementaire debout,
la force du progrès, ils viennent chez moi à la maison et on mange sur la même table que moi. Et moi, je ne vois pas une personne orgueilleuse qui peut faire ça. Donc Jean-Marc Abound, il n'a jamais reçu les rétrocommissions, c'était des pratiques imaginaires. En tout cas, franchement, moi, je n'en sais rien. Parce que moi, comme ministre à l'époque, je ne lui donnais pas de rétrocommission. Je n'en avais pas, je ne vivais que de mon salaire. Et c'était tout. Où est-ce que j'aurais... Avant d'échanger les chapitres, parce que je vous rappelle, M. Tony Lungundu, c'est un haut cadre de l'UDPS. Voilà pourquoi nous lui posons des questions qui concernent le parti avant de parler d'autres choses. Mais maintenant, Augustin Kabuya, le nouveau patron de l'UDPS, l'homme, une fois de plus, selon les combattants qui chassent les gens au parti, comme il veut... Vous tous, Tony Lungundu et les autres, vous avez peur de lui. Au moment que vous savez que l'UDPS, c'est un parti politique, un parti des sacrifices. Comment vous pouvez accepter de laisser Augustin Kabuya faire ce qu'il veut selon les combattants? Non, avoir peur de lui, non. Le respecter comme secrétaire de notre parti, le numéro un de notre parti, maintenant, oui. Mais avoir peur de quelqu'un, pourquoi? C'est-à-dire, c'est d'abord un ami avec qui on a évolué. Okay. Et quand il y a des problèmes dans le parti, on en parle. On en parle avec lui et c'est une personne qui comprend aussi et qui applique ce qu'on lui dit. Bon, dire qu'il est seul, il ne veut pas entendre les gens, il ne veut pas écouter les autres. C'est un électron libre, ce qu'il pense faire, c'est ce qu'il fait, il n'écoute personne. Je dis bien, c'est selon les combattants, je vous pose la question. Oui, je comprends. C'est difficile qu'on ait un électron libre à l'UDPS. Si vous voulez, c'est difficile qu'on ait un électron libre. Il a tout un comité. Moi, je ne suis plus à l'exécutif, bien sûr, mais on se rencontre de temps en temps, on parle du parti. Et à l'exécutif que lui est en train de diriger, il y a des réunions, il parle de parti. Il ne faut pas penser que les décisions qu'il prend viennent de lui comme personne. Les décisions peuvent venir de l'exécutif, n'est-ce pas? Et moi, c'est un ami, on a évolué ensemble, je crois que les gens lui collent des défauts. Comme je le dis ici, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut l'approcher. Il est là, il reçoit tout le monde, quand vous l'appelez, il prend et puis il reçoit tout le monde. J'aimerais tester quelque chose, si vous êtes sincère avec ce que vous venez de dire. Selon mes informations, il vous avait collé une suspension. C'était pourquoi? Il m'a collé une suspension? Non, jamais. Comme qui? Non, il m'a jamais collé une suspension. Okay. Comme qui? Comme ministre ou secrétaire général? Parce que quand j'étais secrétaire général adjoint, lui, il était secrétaire général adjoint, il n'avait pas ce pouvoir-là. Okay. Mais non. Quand lui, il est devenu numéro un du parti, moi, je suis devenu ministre. Et il ne pouvait pas me coller une suspension. Et maintenant, je ne suis plus en fonction au niveau du parti, mais on se rencontre de temps en temps pour parler de parti. Parce que je suis quand même au cadre, j'ai de l'expérience en tant qu'ancien dirigeant actif de ce parti. Il ne m'a jamais collé une suspension. Alors, qui vous a dit ça? Il gère bien le parti. Pardon? Il gère bien le parti? Je crois bien, parce qu'il y a... Son nom est cité dans plusieurs dossiers, surtout lors du dépôt des candidatures. Il semble qu'il y avait des candidatures un peu favoris. Lui ne fait pas partie. Nous sommes bien structurés au niveau de l'UDPS. C'est avec Jacquemin Chabanais et les autres, mais il semble que Augustin Kabuya, j'ai dit bien sous réserve, parce que les gens m'ont appelé pour ça. Oh non, il a favorisé d'autres candidatures parce qu'il y avait un peu de ces mauvaises pratiques au sein de l'UDPS avaient pris corps. Est-ce vrai ou faux? Non, moi, je ne sais pas. Mais je crois que c'est faux parce que, d'abord, ce n'est pas lui qui propose le nom de membres, du moins de candidats. Et ce n'est pas lui, ce sont des fédéraux qui proposent le candidat. Je crois qu'il y a eu plutôt
au niveau de ces différentes propositions, au niveau de différentes fédérations. Parce que moi-même, j'ai suivi ces processus-là, okay. parce que j'ai fait partie d'une fédération aussi. Et il y a eu quand même de gens qui ont été alignés, qui ne valaient pas la peine. Et arrivés ici. Ils n'ont jamais été dans les combats. Vous les avez vus seulement. Ils n'ont. Les plus offrants. Je ne peux pas dévoiler ici notre stratégie aussi au niveau du parti. Vous avez des stratégies. Oui, nous avons des stratégies. Quand on a sélectionné des gens, on a aussi tenu compte de leur poids politique, au niveau de leurs différentes communautés. Voilà, aura. tout ça, je crois que... Mais quand c'est arrivé ici, on a, pour vous dire vrai, on avait découvert que certains d'entre ceux qui ont été sélectionnés ne pesaient pas politiquement. Et il y a eu aussi, au niveau national, un nettoyage qui a été fait, et surtout au niveau de CEP. Bon, maintenant, les gens parlent du secrétaire général adjoint. Le secrétaire général Augustin, je m'excuse. Bon, ça, je ne sais pas. Il n'avait pas trop d'implications dans cette histoire-là, dans la sélection. Donc, c'est un mensonge qui assure qu'il est. Bon, je crois que ce sont des interprétations inutiles. Inutiles. Ok, je veux l'inviter pour essayer un peu d'en parler. Je l'ai déjà reçu une fois, mais je vais encore les chercher pour parler avec lui parce que l'opinion a besoin de lui. Mais parlons de vous, monsieur Étienne Lungondo. C'est vrai, avec vous, il y a tellement de questions et de thématiques que vous allez souffrir un peu à répondre à mes questions. Oui. Parce que vous êtes l'un de natifs et notables du Grand Équateur, monsieur Étienne Lungondo. Êtes-vous fier d'être un notable de l'Équateur? Alors, suis-je fier d'être notable? La photo du chef de l'État. Si je crois que c'est Dieu qui a fait que je puisse naître dans cette partie de notre pays. Et j'en suis fier. Pas seulement comme équatorien, mais aussi comme Congolais, okay. n'est-ce pas? De père et de mère. De père et de mère. ma mère est de cette province, et mon père aussi est de cette province. Okay. Donc, je ne suis même pas à côté de frontières. Okay. Comme vous savez, l'Équateur, mon village... Là, vous créez maintenant des polémiques. Non, parce qu'on en parle toujours. Voilà, parce que vous êtes à côté d'une frontière, vous risquez, on dit... Bien centrafricain. Voilà, par exemple, on a jugé que Mobutu était centrafricain, et puis les autres, ainsi de suite, dont je ne peux pas parler. Alors, maintenant, mais en ce qui me concerne, j'ai du sang à 100% congolais, et je suis d'ailleurs... Au centre du Congo. Okay. Au centre du Congo. Donc, vous êtes de Tuapa, vous êtes de... Je suis de la Tuapa. Tuapa. Okay. Je me suis suffisamment informé par rapport à vous. Alors, pourquoi vous, les notables du Grand Équateur, vous faites tout pour que Félix Tshisekedi ne soit pas aimé, et c'est quoi que le président Félix échoue. Pourquoi? J'ai pas de vous. Vous, pas de vous, mais l'ensemble des notables. Mais je ne crois pas. Quand vous parlez de notables de Grand Équateur, vous voyez qui? Il y a le VPM Jean-Pierre Bemba. La photo de M. Liaou. Donnez-moi cette photo. Il y a le VPM Jean-Pierre Bemba. Il y a le VPM Liaou. Il y a moi. Il y a Guy Luando. Willy Bakonga. Il y a Willy Bakonga. Il y a autant. Molendo Sakombi. Alain Atundu. Merci de me rappeler. Mais tout ce monde-là qui constitue le notable du Grand Équateur soutient le président de la République. En commençant par moi-même qui a. Vécu avec lui, qui a évolué avec lui au sein de notre parti. Et vous avez vu, tout ce monde-là soutient. Dernièrement, il y a eu le congrès de MLC. Vous avez entendu vous-même ce que le VPM Jean-Pierre Bemba a dit. Il a dit qu'il ne va pas postuler comme candidat, comme président de la République, parce qu'il veut que le président de la République actuel puisse briguer un deuxième mandat pour continuer avec sa vision.
Vous avez vous-même entendu. Parlez et ne parlons pas de Liaou, ne parlons pas de Guy Luando. Je vous ai demandé la photo de Liaou. Vous êtes complice ou bien comment, papa Freddy? La photo du ministre de la fonction publique, M. Oui. Liaou. Parce que Eteni Longon est ici, oui. ministre honoraire de la santé. Oui. J'ai dit, pourquoi vous combattez Félix Tshisekedi? Vous voulez qu'il ne puisse pas réciter parce que le grand Équateur, M. Eteni Longon, c'est un vrai village. Ces grands Équateurs n'aspirent pas confiance si le chef se présente là-bas. Je pense qu'il aura des voix. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Même vous êtes là auprès du chef, il n'y a pas un lobbying. C'est comme si chacun veut tirer les draps de son côté. Vous n'aidez pas le chef. Pourquoi? Bon, je sais que vous dites là n'est pas vrai. Excusez-moi de vous le dire en face. Ok. Ce que vous dites n'est pas vrai. J'ai assez de débats. Je suis conscient que cette partie du pays, le Grand Équateur, était délaissée par des gouvernements qui nous ont précédés. Vous êtes journaliste et vous avez pris le code... Code 32. 32, qui concernait les Équatoriens. Parce qu'on pensait que voilà, il disait que c'était Mobutu qui avait pris le pouvoir pendant 32 ans. Il était Équatorien, il n'a rien fait. Maintenant, nous allons... faire une revanche contre les Équatoriens. Et moi, je ne croyais pas à ce code-là avant. Mais quand je suis arrivé là-bas, à l'Équateur, en 2020, vous dites, j'avais... En 2020. Donc, quand j'étais ministre, j'étais à l'Équateur. Donc, vous êtes en diaspora. Donc, même pour votre province, vous ne vous présentez pas. Je parle... C'est un privilège. Parle de ma vie politique parce que j'étais en Équateur plusieurs fois avant. Il faut expliquer au peuple. Oui, plusieurs fois. Mais je voudrais faire une comparaison. Okay. Parce que quand je parle de 2020, quand j'étais ministre, je suis allé visiter cette province en 2020. Et maintenant, après 3 ans, je suis rentré là-bas il y a 1 mois et demi. Je viens de là. Il y a eu une évolution miraculeuse. Vous dites? Une évolution en termes de commencement, de début de développement. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux? Ce n'est pas de la poudre aux yeux. Vous pouvez aller, par exemple, je vais vous donner un exemple. Okay. Vous pouvez aller dans les différentes villes de ces de Grand Équateur. Moi, j'étais à Bouindé en 2020. Il n'y avait pas de bonnes routes. En 2020, il n'y avait pas de l'éclairage public. En 2020, il n'y avait pas de transport public. Je vous l'ai dit. 2020 ici. Mais il y a 3 ans. On nous suit là-bas. Hein. Mais... À Kingakati, on nous suit. Partout, on nous suit. Il y avait le programme des 5 chantiers, révolution de la modernité. Est-ce que vous êtes sûr et que ça ces programmes étaient aussi amenés là-bas, Si c'était amené là-bas, moi, je n'allais pas trouver ces villes-là comme ça, comme elles sont maintenant, comme elles étaient en 2020. Moi, je suis arrivé en 2020, mais j'avais de larmes aux yeux. Et il n'y avait pas tout ce que je viens d'énumérer là, de bonnes routes, d'éclairage public, il n'y avait pas... Mais quand vous arrivez à Bouindé, maintenant, sous Félix Tshisekedi, les gens qui n'ont jamais vu de leur naissance l'éclairage public le voient comme ça sur la route. L'éclairage public, s'il vous plaît. Donc, et il y a des routes 63 ans après. Il n'y a jamais eu l'éclairage public au Grand Équateur. Pas du tout. À Bouindé. C'est la première. Il y a des générations qui sont décédés, qui n'ont jamais vu de poteaux d'éclairage public. Ça, je vous l'ai dit. Peut-être qu'ils n'ont jamais... Je ne vous permets pas de cracher sur le travail bien fait de l'ancien régime de Joseph Kabila. Le travail bien fait, c'est vous qui le dites. Vous parlez de 63 ans. C'est vous qui le dites. Mais dans 63 ans, s'il n'y a jamais d'éclairage public dans une ville, comment moi je dirais le contraire? Mais Joseph Kabila a impulsé un développement de ce côté-là. Kabila a nommé le José Makila. Donnez-moi un exemple. Kabila a nommé le Oliva Komba et les autres. Il a travaillé avec les gens, appelé ces gens-là, demande-leur, est-ce que... Les Mabunda et les autres. Non, demande-leur, est-ce que pendant le régime de Kabila, est-ce qu'il y a eu des éclairages publics à Bouindé? Je suis très précis. Okay. Je suis très précis de ce que je dis. Alors, demande-leur.
Je crois que s'ils sont honnêtes, ils vous diront non. Est-ce qu'on a rétapé ou comment ça construit des routes, tout ça comme ça. Ils vous diront ou réhabiliter. Pas du tout. Réhabiliter, voilà, c'est le mot que je cherchais. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a eu une société de transport public? Pas du tout, dans le régime passé. Mais il y avait Transco, il y avait Transkin. Transkin, à Kinshasa ou je ne sais pas où ailleurs, mais pas dans le Grand Équateur. Quand vous allez dans le Grand Équateur, vous arrivez à Mbandaka, vous avez le Transco. Vous arrivez à Bouindé, vous avez les Transco. Vous arrivez à Guémena, vous arrivez partout, vous avez les Transco. Maintenant, les gens... C'est dans votre rêve ou c'est une réalité, s'il vous plaît, monsieur Tenomolo? C'est une réalité. Moi, je viens... Bon, et si vous m'avez averti avant, j'allais venir avec... D'ailleurs, je vais vous envoyer un documentaire de mon voyage quand j'étais là. Si vous pouvez le faire passer, vos téléspectateurs vont le voir. Donc, il y a un changement pendant 3 ans que vous n'allez pas croire à Bouindé, là-bas. Et vous voyez... En 2020, les gens étaient un peu renfrognés. C'est comme si on venait d'une guerre. Mais quand je suis arrivé là-bas, les gens étaient... Le visage était ouvert, les gens étaient contents. Et il y a un peu comme à Kinshasa ici, Banganda, Banini, tout ça. Les gens se réjouissent. Alors, Songabiso, mon ambo, j'avais annoncé que Nadebi a émission qui est monsieur Gozalabi. Les commerçants. Ils sont là. Voilà, les commerçants sont là. La vie a repris et l'économie aussi a repris à Bouindé. C'est grâce à un homme, il semble. La photo de M. Guilwando. C'est grâce à la vision. La photo de M. Guilwando, s'il vous plaît. C'est grâce à un homme, il semble. Il semble, c'est grâce à un homme. Le jeune Guilwando, il avait d'abord commencé avec sa fondation, Widan. L'homme, soucié de sa province. Il a commencé à faire, et vous, l'Union Sacrée, vous avez sauté sur l'homme pour récupérer ses actions et les mettre sur la tête du chef de l'État. C'est Guilwando avec sa fondation. Selon les informations que nous avons, si le Grand Équateur est en train d'être rayonné aujourd'hui, c'est l'homme. Faux. Monsieur Guilwando, c'est un petit frère que j'aime très bien. Vous savez, le pays ou bien... Cette province ne peut pas être réhabilitée par les efforts d'un seul homme. Il est en train de travailler pour notre province. Les autres aussi sont avant lui ont travaillé, les Bemba et les autres. Et nous sommes en train de travailler, nous tous, parce qu'un seul doigt ne peut pas, comme on le dit, laver la figure ou le visage. Donc, s'il est en train de travailler, on ne peut que louer ce qu'il est en train de faire. C'est votre nouveau leader, les grands équateurs? Non, il ne faut pas parler. Nous sommes des enfants de l'Équateur et nous sommes ensemble pour travailler, pas seulement pour cette province-là, pour amener aussi quelque chose pour tout le pays. Donc, il ne faut pas nous amener dans des polémiques. Notre province avait beaucoup souffert et maintenant, nous sommes réveillé avec le leader que nous avons, notamment lui, Guilwando, Bemba, Liaou, moi-même, tout ça. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Alors, il ne faut pas nous amener dans des polémiques. Voilà, celui-ci est leader, celui-ci a fait ceci. Je ne vous amène pas dans les polémiques. Alors, laissez-nous travailler pour notre pays, pour notre province, pour notre pays. Et quand lui, il a des capacités dans un domaine, il les amène dans le cadre de ce domaine-là. Et moi, j'amène aussi mes capacités, le VPM Bemba, le VPM Liaou, aller à Tundu, tout ça, chacun. Et c'est comme ça qu'un pays ou une contrée se développe. Et il ne faut pas nous amener dans le polémique où voilà, celui-ci est comme ça. C'est ça les soucis d'ailleurs, moi, Namboka. Etienne Longo, tout le monde est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Peut-être que vous avez des Congolais, des pères et des mères qui vous dérangent. Alors, moi, Namboka, Etienne Longo. Loin de moi de vous amener dans des polémiques, on a posé quand on tourne, on a vu que mon tourne est sale au passé. Mais naïe du sous-sous, na bakis na otika watan, le lo na zio. Guilwando alobaki,
Aza ministre aménagement et territoire. Il avait dit quelque chose. Ce numéro, l'idée, quand tu comptes, vous comprenez qui de lui chez Poussani, la petite matata boyon mbote bisika zali. Il avait dit construisez chez vous. Yo za l'idée. Ce qui n'a pas été fait pour la télévision, c'est que vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de Kinshasa, un Poto, un peu de temps. Vous avez un village. Est-ce que ma question est de bon, construisez chez vous. Je crois que Tomoni, mentor na Yanga, papa Étienne Tshisekedi, je crois que parmi Makambo yo abande ko te abiso alobaki avant omimo na yomoko monana no peuple. OK. Vous allez comprendre. Avant omimo na yomoko monana no peuple. Soko ke na mboka o yangai. Makambo quand même o nazo sala pour na peuple. N'est-ce pas parce que peuple est foisur liboso. Makambo nazo sala pour na peuple. Je crois que peuple azo mona yango. Je ne me vois pas moi, n'est-ce pas? Na kende kula na ba voiture ya boye moni ndenge ba place ezandengwana. Soko komi mbala moko komi ko tonga pona yo moko. Ba étage, ba nini tout ça au kena ba Mercedes, ba nini tout ça peuple ngwa mona ndenge nini. Bandana nuko sale la peuple. OK. Vous comprenez? Banda ko sale la peuple et puis yo moko après au misalela. Alors ngana ko ko kende kuna tena lo bana tonga. Biyoko yo nazo sala kuna za pour na peuple. D'abord. Otongito zo ki ma question na ngai. Est-ce que vous en a résidence? Pour ceux qui mboule beti awa ozonge pa na yo o ke lo hôtel e kota. Peuple. Hôtel o ke ndo lala. Ozata na nda kote. Peuple il faut la. Mokonza mboka so akei. Ata bino banati bo ongata bino malongati. A o ke ndo lala na ba entreprise a batu ya mindele. Non, est-ce que zali pe esa sonité pour na bino ba grand créateur. Peuple il faut la la liboso. Na ma place ya bien. Peuple il faut atambola na nzela ya bien. Peuple il faut mona azana radio ya bien. Ba étudiant kuna il faut batanga na ndenge ya bien et zana no objectif na ngai liboso ozoma na ndenge ya banda ko kotonga après moi na ko lo bano tek na zangi moi quelque chose n'est-ce pas mais ce n'est pas ça l'essentiel essentiel les actes o nazo salana no pour na peuple peuple mon clair merci na pesi bon na ngana pesa Thomas Longondo Thomas, l'ancien député qui est mort, Lokondo, Mbote Pascal Tonga, Hôtel Amunen, Maman Janine Yanga, la pêche Mbote Bissuko Zali, Posamo Ebele, Alea Tondo. Mais est-ce possible aujourd'hui, les notables des grands. Parce que, Boamael et Mingia, Boamael, Bokoki Kosa la synergie terre, Nengotoka Grand Kassai. Maintenant, Bino peut vous salir à Bino, vous a coupé ça dans ma canne ici, de façon que la province Nabino, tout contrer Nabino, et elle a développé. Tout bas, qu'on a bâti, elle a bien le droit de l'idée. Beaucoup les cas, la mission se va bien. Beaucoup y continuent à battre, est-ce que c'est difficile d'être unité? Non, mais non, je ne sais pas si tu as battre. Et là, je ne sais pas si tu as battre. Leadership est en boca. Oui, il faut permettre de voter. Notable wana ba sala quelque chose wana ce bobo quand mutu akabila kabila sali nini kabila vous a tout donné parce que balobaka l'état naimi que l'état est développé par mboka ce sont des individus mutu ba initiative personnelle ya mutu est développé par mboka mais l'état il faut tia ba tu na ba condition oyo que ba exploser ba banda ko sala pona et le gonde mankaki c'était pas les c'était pas le cas avec Kabila, mais sous ce que la tienne, alors, maintenant, dans le régime, il y a des conditions qui vont permettre à Guy Luando, à BPM, à Konga, d'exploser et à quitter. Mais si vous avez des Konga, Guy Luando, VPM Bemba, VPM Liaou, Ngamoko, Nabatu Ebele, ils ont pour nous environnement politique, ils ont un peu dégagé, et puis économique, ils ont commandé. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais Liboso, ce n'était pas ça. Et donnez-nous le temps, vous avez un peu de déjà, et vous continuez. Merci. C'est pourquoi nous avons un peu
pour na biso ba équatorien, je crois que oh na oyeb sa payangwana parce que na uti kuna. Je crois que le présent bayamba kingai batu ebele na uti kuna mais oh na ina lubana yo. Na sali sondage na makambo ba réalisation ya surtout à chef de l'État à sali kuna ba action ya surtout makambo ya 145 territoires. À peine 145 territoires. Voilà, oui, makambo wana en tout cas le président de la République n'a pas de concurrent. C'est vrai ça? Il n'a pas de concurrent. Ils ont pour nous flatter tout pour nous salaboter, mais ça je vous dis la vérité, na kini kuna na sololi. Je crois que ceux qui vont voter Mouké, vous allez peut-être 70%. Yo kamata ile kabuna za ina raison hein. Donc vous allez la liste na mino da vous salaki. Yo kabuna so pesa da quota. Donc yé mi déjà la 70%. Donc pour la paix de 145 territoires là-bas bilé mozali. Donc ce n'est pas il y a la Photoshop. Il n'y a pas que ça. Non non. Ngamo na moni. Bon. La fois prochaine hein, avant pesa ngai temps na tine lo ba image comme ça tout ça les Michel Moro au ba bengaka pièce contre pièce. Pour un an, l'axayo, n'est ni makambozane. Donc, président Félix Antoine Tshisekedi sera voté à pas moins de 70% dans cette grande province. Il y a un candidat. On m'a appris que vous avez candidat Kuna et tout comme dans un moment de propagande, vous pensez que vous êtes vétéran? Vétéran, d'un. Vraiment. Vous pensez que vous avez encore quelque chose en fond? Oui, oui. Tant que Moutouatin a commis à 80 ans, soit qu'il faut apporter quelque chose, à quoi apporter? N'est-ce pas? À quoi apporter? Bah, tu es belé dans la Bible, Moïse, Banane, tout ça. Prophète est belé, Abraham. Il est vieux. Il est dans la Bible, il a 900 ans, c'est ça. Voilà. Mais il a apporté quelque chose. Donc, je crois que nous avons le pays au Congo. Dans deux minutes, quels sont les vrais problèmes qui guettent votre circonscription? Nous avons la lingala. Ma problème nini ou les alim majeur. Ok, était Longondo. Ceux qui n'a commis député, ma cambo n'a pas ça l'anguana. Pour nous voir qu'on a pas promesse. Il y a moins le coup de mingine va tout balobaka. Bato baolando, bah il y a problème na bango. Quels sont les problèmes que vous avez détectés na province na yo na contrée na yo que ceux qui ont commis député na kubana na awa awa awa. Je crois que ngai na yé na vision moussous. Comme okay. Député. La photo du chef de l'État. Ma province, ma Kamboza est belé, na Katiamboka. Na koyo ko lobate que ngai teni, soki na komi député, neti batu so anda ko sala. Na otongela bino ba building. Na otongela bino boye, bandini tout ça. Bolali ma bon, ça c'est o ne zarabilo ko yakala. Na otongela bino boye, tout ça ndeki ba député anda ko sala. O mona tant au 5e koleka. Peuple, à mon avis, ma camba député, on va promettre que bangote. Député, rôle na ezanini. Eza kobundela à partir y a assemblée nationale. Vous en comprenez? Ake na vacances parlementaires, à moni ma cambo souffrance y a peuple, à moni il faut nous aider à la boyer, initiative monsieur sur le développement, aye kobundelango na assemblée. National pour na gouvernement ezoape mikano pour na coin naie. Donc c'est comme ça, il faut pas tout continuer qu'au duper peuple. Ngana loba ki ango na tant na outi na circonscription na lobby nazana makoki tene ti batu mususu baloba ka osoko voter ngai. Bien osoko banda kulia malamu soko voter ngai. Voilà, na boye. Non. Moi franchement na koko loba yango te. Mais ce n'est pas pour autant que na mo makoki na ngai soko mutaye na foutre minerval salabo ça on peut le faire, nous sommes africains. Il faut tout à la nationalité wana. Mais na koyo ko faire rêver population te na lo na bango ko soko voter ngai na salabo to ko bunda ensemble na population pour na développement ya communauté na biso pour na tokende liboso. Il faut combat, on est honnête au sein du Parlement. Et ce qu'on m'a mis,
ba projet nakati ya conscription nayo parce que au gros ça peut ba démarche au même ba projet kuna ba to ba zumi sala ba to ba juive nauti kuna nakati ya province Sangai ozomona ba député ya kanaba mesani saki ba to mingi oh soka komi quelque part de façon bela bango webi lotoko ngoko lotoko agene agene olobi agene ah webi ngobe mais ça le gars il faut somme la bango agene alangu sa ndam oui alangu sa ndambu et puis ko ko pesa bango ba 1000 koko sa bango na ba 1000 francs ba 2000 francs ba nini tout ça ba yembe la bango ba banzembo tout ça biloko ndengwana sikoyo makamandengo na en tout cas pour moi ça n'existe plus il faut que travailler plutôt na population kolobane voilà toko sala boy toko sala boy toko sala boy ko discuter na population makambu yako du peuple yako ko sa ba peuple makambu wana omoni acheter les voix les gens allaient acheter les voix acheter les voix bidoko ndengo na acheter la conscience je dirais plus acheter la conscience tout ça parce que Olingo comme ça peuple abruti ozoyawana ko pesa bango moi polo moi 2000 moi 3000 moi omoni peuple sukoyo ozomona na kati équateur biso tozana vocation moko agricole. OK. Ozomona. Ata soki ba moni parce que le Congo est riche. Pétrole les anaka d'Équateur. Ningo mona wana. Ba diamant pe zali biloga ningo na. Mais vocation na biso principal depuis époque belge ba isa ba veya. Vous comprenez? Ba caoutchouc, ba cacao, izalaka, ba café, tout ça biloga ningo. Je salue le président Gabriel Mokia. C'est ça. Voilà, voilà, c'est ça notre vocation. Ba alors, maintenant mboka wana eko mana pauvreté ya makasi ndengo wana c'est d'abord ndenge ba délaissaki yango na ba gouvernement passé et puis aussi ba député ndenge ni bazo kende kuna au lieu ba éduquer population na musala parce que na équateur wana kokozwa nguba olenguba boye mbuma moko ekoyi ebote boti yango moko nous avons des terres arabes ozomona autant ya kilomètres et à terre arabe tout ça les akuna mais batu oyo ba ko pousser peuple wana na travail bazate donc et puis l'état pendenge abandonna ka banzela ozomona pe mutua ataza na volonté ya kosala ba bilanga na ye ba komema ngondenge nini parce que ya pa moyen de vacances ce qui l'état est salé les nzela te ce qui yango na programme au pays à 5 ya voilà ngai sona za wana mbe na ngai pe na tia moi makanisi parce que babandi kotunga ba bâtiment par exemple administratif on le veut bien mais pour ngai il fallait d'abord ko bandana banzela et puis sali banzela wana ya pour na ko évacuer ba d'arrêt alimentaire et puis bo doter chaque territoire atana 10 camions. On en a la possibilité. Oui, oui, oui. Comme ça, le camion, on a peut-être beaucoup plus cher au mutu moko jerakango. Et Kendaka, na ba commerçant, koso ba banguba, ba transaction, on a ba kenda, on a ba grand centre pour na ba. Ce qui population monindengo na, je crois pas que ba go fanda kaka, ba go sala siko bilanga, ba komi ko teka biloko, tout ça ba jeune wana ba jeune bazay ebele. Exo regal ke ba tu ba ki ma province. Exactement, ba jeune bazay ebele. Mais au moment na bango na tout autour il y a nini bazo sa le côté et pourtant bazo c'est la kabilo kandengwana pour qu'ils explosent au moment na so bo sali ndengwana économie et ko renaître et c'est le début du merci développement. Merci mon amboka eteni longondo maela boui ya ngonde to lingi e kota na parlement mais eteni longondo awa na longoli bagan awa to kota na combat ya cage parce que ça et si quand peuple pas avoir c'est la moins mingi c'est rien pena ceinture awa tire bilance ngeban mon amboka neko frère papa Freddy pesanga na une photo ya les flics de la république santé voilaise hein santé voilaise pesanga photo ya monsieur Gilles Alinguette s'il vous plaît j'aimerais bien avoir la photo de monsieur Gilles Alinguette il est aussi de l'équateur hein en tout cas je sais pas vous savez pas je sais pas à moins que je me trompe mais qui est de l'équateur peut-être mais je à sais moins pas. Que je me trompe Gilles Alinguette Maïnoumbe, ok, merci. On vient de m'essouffler. Ah, okay, voilà, papa c'est... Freddy, je ne vais pas voir la photo. Pourquoi vous êtes complice un peu? La photo de M. Gilles Alinguette. M. Eteni Longondo. Le chef de l'État a créé
à outiller IGF. Impulser votre analyse d'ensemble d'abord de l'inspection générale des finances. Cette inspection travaille bien ou l'inspection est politisée? Bon, naibi otuninga mutuna wana pona nazaki nakamoko. En tout cas, nagolobelaga ka kananga. Sentez-vous vraiment à l'aise? Nagolobelaga, mais dans les grands pendants, vous songez la macamouana sous mingité parce que c'est le cas. Et puis ceux qui étaient, ceux qui étaient impliqués là-dedans, nasina lumisa bango. Et tout comme on a vu bien, et je crois que nous avons une information ébélée, et au sein il y a FCC, et au sein il y a parti. Parce que je ne peux pas seulement dire qu'il n'y avait que le FCC qui s'était impliqué là-dedans. Il y avait quelques infiltrés au niveau du parti qui étaient impliqués là-dedans. Neti Makambango P. Sila. Je crois que Jules Alinghetti et Zalangaï, si on s'est compris, Mounamoutou, Azo, c'est le président, vice-président d'Andengenaye. Et je ne voudrais pas rentrer dans ces polémiques-là. Batouana, Ounio, Soutouada qui est impliqué, Nalimbis, tout comme on a vu ça bien. Vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Alors, maintenant. Monsieur Tengoumoundou, ici, c'est les plateaux. Vos amitiés, c'est ailleurs. Ici, Ozaki. Montezana mandé à l'État. Peuple oui, n'a pas ça. Oui. On vous pose des questions. Pardon, Nayo, et ça, bien, on m'y balaye. Ah, peuple n'a pas ça, Nayo. Mais on vous pose une question. Je pose la question quelle est l'analyse faites-vous de l'inspection générale des finances? Mon analyse. Il y a le professionnalisme ou l'inspection est politisée? Mon analyse était que, na début, tant que tout se passe, que Zaki créé la période à FCC Cash, à l'époque, je crois qu'il y avait d'abord des injonctions parce que bangonyo surtout on a nettoyé na inspection wana ezaki batu oyo biso to nomagité ezaki batu ebelé oyo basalaka na régime passé au moins tant tokoma ki na pouvoir régime wana na tant wa FCC cash tobundaki makasi biso batu ya UDPS pour na président na biso azo pouvoir boye donc on était pratiquement la situation moko vous avez un figurant vous avez pas figurant non pas de figurant ko bunda po na to bima parce que qu'on le veuille ou pas au moni par exemple parmi makambo yo nga na kufela eza po na ndenge na zalaka na kati ya gouvernement ozomo na bozana gouvernement boye bino bozana pouvoir ba bazo considérer bino eti ba petit on a vu vous avez un figurant. Kasi bazo considéré bien tu vas figurant et pourtant bango baye bakité que biso za ba grand politicien. OK. Na kati ya toza ba descendant ya papa Etienne Tshisekedi. OK. On le regardait comme ça parce que je ne pouvais pas tolérer. Vous faisiez l'ironie. Moi et Teni. Yo ministre de Tingai toza na kati ya commission obanda ko minimiser biso même na niveau ya président. Oh, tout est parti, moko, oloba, d'une certaine manière. Ok. Tout ça, osons ça le discours officiel, yo ministre, y'a FCC. Osons la président ana. Kabila ça kende. Là, mon nom nulle part na katia. Ok. Sur lobby, besoin qu'on inaugure ni moko boyo, besoin ça la ni moko. Oh, ma kambango, na discours officiel. Oh, ma kambango, bandage Kabila, siko yo. Félix a eu Kosisango. Mais la continuité. Oh, ma Kamboyo, ça la maquina, na Kabila, tout ça. Non, la continuité de l'administration. Koya Goulubango, Boyete. Voilà, c'est pour Félix. Ah, ça vous gênait? Oui, ça gênait. Président, toi, na Imoko. Pour la ni bozo, il y a beaucoup de ça. Comme exemple. Mais on prend la source. Et puis, du pouvoir, tant Bozana. Non. Ça qui est bien, Ezalaka te. Ce qui. Président wana leki mususu soit komi wana bokoloba na kombo na ye okoloba na kombo na ba discours officiel non vous ne pouvez pas le faire agir comme ça bozana kati ba commission bokomi banda woloba komona bino ti ba petit neti ba nini tout ça parce que bazala ki na auto bané ça na boule que na 2023 oyo peut-être ba même biso na se pour na bazonga oh biso to wana otala bango. Tu vas dans le bango, ndenge nini, tu vas dans le pona. Comment faire pour déboulonner la société? Au courant que l'on a présidenté quand même. Au yonga na outi na e parti moko. Au banda, kolobana e na ba commission neti
mutumoko zangi ou zangi ne respect. Moi, je dois réagir. Okay. Yangona peut-être bato andor mon angai neti moi. Moi, un peu dur. Okay. Non, je ne pouvais pas. Ce, au moins, le pouvoir, que l'Al Sanao me soute. Elle m'a coboyé. Il faut t'imposer. Okay. Il faut t'imposer comme ça, Batoubaye, que voilà, Bino, Salaki, Bino, il faut que les abisso, il faut que la pub soit tout ça. Donc, il y a un peu de temps, parce que Miss Maka, c'est un peu de temps. Mais pour défendre un chef, ne pas salé le cas. Il y a un peu de Félix, président Félix, je m'excuse. Tu as un outil, tu as un combat. Ba lacrymogène ba toko koufa ba nini siko to na pouvoir bo sandi bo mona so ba petit. Non, on ne peut pas accepter cela. Donc to ye ko impose que to ye ko tia vision ya mentor na bison en pratique. Donc on fera tout pour que vision ana salama république et se transformer ding bozo mona siko. Alors bon siko bino boya ko moni biso. Je m'excuse. On attend au mieux nos macas si qu'on a sauvé pouvoir on ne l'a condamné pas attendre au piège de cocher la lingette pas dans la carte piège je on a lobby n'attend à FCC cash c'est quoi bato mingi bakoma fati mais avant ce n'était pas comme ça dans la FCC cash hein. Ok, ce n'était pas comme ça to yebi ndenge nous na ba administration nous surtout et bandai ko auto kutaki ozo mona yoza ministre Moutouna administration à Zawana, aux opinions liées, parfois Salimbeba, au moins on a pourquoi Moutouka FCC, à Bengu Albitala, au Wana Petit Nangaï, Tikaya, Salaboua, Salaboua, Tikaya. Donc Yemé, c'est Rana Yemé, là où il est. Non, je ne parle pas de M. Kabila. Non, je parle, je parle de FCC, FCC. Fibre Wana, et moi j'étais là, et je ne pouvais pas. Tu es un changement, il faut changement et Salama. Alors, répondre à la question. Donc, à l'époque, ce n'est pas pour rien que je vous ai posé la question. Dans l'IGF, il y avait le professionnalisme où l'IGF était politisé. Parce que s'il y avait le professionnalisme, les dossiers étaient Nilongondo, allaient être traités selon le professionnalisme. S'il y avait de la politique, donc, les patrons de l'IGF, il était tombé dans le coup de la politique pour ternir l'image de l'homme qui est devant moi. Je crois que c'était ça le cas. Okay. C'était pas que tu parles de mon dossier. Tikela, Nalubi Nayoboye, dossier on essaie les cas de Tikango. Tout ça, il a batonio surtout, bako dinagata union sacrée, batonio surtout, baïjefouana, bako misiko, bamoni, que FCC Zanango sous-souté, batonio surtout, bako mi n'est pas président. Okay. Donc, siko yo, je crois que politico et zalagi kalawana et c'est sili. Bako miko sa misana bango, normalement. Et ngape na komo sala moussala nanga, normalement. Parce que son Nalubi Nazong et la kemoto yo, Babanda est contacté Batouboye. Bon, attends, bon, nous toujours insister, je veux te donner. Nous avons un exemple Moko. Nazayaki na détention provisoire. Oui, na Makala. Donc, si vous avez un Moutoumoko à droit de l'homme, à défendre, parce que le dossier est très bien. À défendre Ngaï, à défendre les droits de l'homme, à défendre Ngaï. Kapiamba. Na cité Kombote. Na Tuni. Autrement, na bino, vous l'avez dit, polémique. Na cité Kombote, je ne suis pas venu ici pour citer le nom. Ah, ok. À défendre Ngaï. Bon, c'est quoi, après, tant on a bimi, bah, juge, bah, mon agaï, le côté, bah, tiki Ngaï, na bimi, tout ça, parce que, bah, juge, bah, mon aka, bah, y'a bimi, ma kambwe belé. Mais malheureusement, na profession, na bon, bah, go, ça, la, bah, interview, t'es, bah, ça, la, ils subissent la pression. Le président lui-même l'avait dit. Ok. Le président, t'es, azara, na go, ma kou, na lo, bah, y'a bimi, que, bah, tout, bah, pesa, bah, juge, bah, pression, bah, zali. Dans l'instrumentalisation de la justice, c'est vrai, hein. Mais le président de la République lui-même l'a reconnu quand il était à Goma. Ma tata aussi. Moi, je ne m'amenais pas dans le Zanga, dans le Zanga, dans le Zanga. Alors, si on a bimi, même si on a un dossier et pas un dossier, il n'y a pas de responsabilité de l'homme. Il y a un dossier qui est un dossier qui est un dossier qui est un dossier qui est un dossier.
Docteur, Ozana, naibi que moninga na défendu yo. Ozana raison, mais tant on a défendu yo, on a défendu yo après wana. Ba téléphone yé, ba tubaya ko tala ngaya. Ba tegu na yibango, ba kansa na yib na ba. Ba yé ko tala yib. Yo zo défendre mutuana, il faut ba kangaye. Ba kena ba paquet. Na ba tu ya ya IGF na ba bengi mutuana ba. Lobi yo zo défendre yib ba essayer. Non non. Lobi, na ba tu IGF na benga ki. Yo zo me mangab na bani, bo toti kabilo ko wana. C'est fini. Okay. On a qu'on laisse ça. Vous savez, taboula rasa. Taboula rasa, c'est oublie. Fini. Donc, je t'ai acquitté par le juge et puis c'est fini. Alors, monsieur Teni Longondo, je sais que vous n'êtes pas rancunier. Hein? Mm. Vous êtes une personne, vous êtes un développeur, quelqu'un qui veut que Makambo s'aille et qui est de moi du Bosso. Mais pardonnez-moi, c'est important parce que public, le peuple, le Kinganonanguya. Babi osongi saka mbongo na ndambu. Osongi saka na mbongo ndambu et après on a vous avez accepté. Ya kozongi sa mais peuple na posa eba est-ce que osongi saka mbongo ayoyo ya bana ba congolais ezonga ekenda wapi oza quitter babo ke non sera congé politique na prison comme bato ide pense ba kenda akabo pe mana nto robimisa yo ba congolais bana posa eba. Oto tinda ngai na répondre na ba question oyo ba juge ba suba mona ekezage ya lokuta. La guerre au Kuta, il y a un peu de temps. Ce qui est là, c'est que le crime est là. Il y a un moment où il faut commettre. Ce qui est là, c'est un moment où il faut commettre. Donc, il y a un moment où le crime est déjà consommé. Donc, il y a un moment où il faut commettre. Il y a un moment où il faut commettre. Il y a Mbongo Balubagawana, il est là, Adingeti, s'il est, okay. Il est honnête. S'il honnête, okay. Il est là, monsieur Adingeti. Mbongo Balubagawana, na zongi siwane zalaki, ngam, c'était pas la première fois que na zongi sa Mbongo, soko outi mission Mbongo estikali, au zongi siwane à l'État. Je le faisais, vous pouvez demander au comptable tout ça. Bon, Mbongo, Oyowana, zalaki ba reste, yaba Mbongo Mbongo Boutouzwaka. Na komeli, gouverneur ya banque, il y a gouverneur, oui, gouverneur de la banque, apesanga nini compte yo na tinda mbongwana. C'était de ma propre volonté, comme je le fais toujours, comme okay. D'habitude. Ah, on a exemple à président, hein? Oui, la comédie, okay. Parce que bambongo na bande aux hommes saliboso, talaga la période wana. Donc, ce que otindi comptable aux hommes na guichet, ou bien na caisse ya nini. Allez, et limoué kagawana. Donc, aux ongles à la ninte. C'est ce que j'ai appris. Et souké na katkate. Et souké, et souké kagawana. Et souké kagawana. Si goyo, nga na komela ki, na ministre de la finance, na ministre, na gouverneur ya banque. Ba pe sangai compte nini, oyo nga na go tia si go. Pour na e ou ta na compte na biso e kende kuna. Alors, c'était ce que j'ai fait. Si goyo, na ebite intercepté lettre on a wapi. Allez, si vous regardez, je félicite docteur Teni Longondo pour avoir commis à Zongi Simbongo. Non. Donc c'était un mensonge aussi. C'était un mensonge, c'est ça. Et puis, l'homme est crédible, hein? Mais quand vous dites que j'ai la lingue, tu m'as. Non, en tout cas, dans mon cas, j'ai appris même qu'il y a des professeurs là-bas, tout ça. Dans mon cas, okay. En tout cas, ils ont fait un très mauvais travail. Okay. Mais, oh, on a la limbissango ici, là. Alors. S'il vous plaît, messieurs les journalistes, tout n'a pas de makamba. Merci. Et les cas, tout n'a pas de makamba. Merci. Politique, merci. Je comprends que vous n'avez pas besoin de tirer les tiroirs pour tout le monde avoir un cadavre, parce que si vous continuez à ouvrir la bouche, d'autres ne vont pas être prison. J'ai ça. Moi, alors, c'est pas. La photo de docteur Mouyembe, la dernière question concernant Makambo, tous les cas, pour tout la politique, je sais que l'IDPS va s'est préparé, la tricherie, une dernière chose qui va poser dans le lobby, mais tout le monde a moi. La photo de docteur Mouyembe, quelqu'un m'a dit, il est en France, à lobby, j'aime bien Teni Longondo. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais ministre, dans le moment où le Covid est bandit, ce n'est pas que Teni Longondo, j'allais démissionner. Parce que charge il y a Congo Mobimba, et ça qui nous retourne. Mais l'homme a fait quand même le nécessaire. Bah, tout le monde a les bons côtés, les gens restent plutôt dans la communication. Parce que vous avez quand même fait le nécessaire, vous étiez au four au moulin. Je peux avant de passer à professeur Mouyembe, que je salue d'ailleurs, il fut mon professeur aussi.
ya microbiologie na na, na unikin mais na ina yeb sabino que Congo ozomona ngai makambo ya ba épidémie ba pandémie c'est ça ma carrière na salango na ba pays mususu na ba pays mususu santé publique na salango na ba pays mususu so na zonga ezape na sala yango pona pays na ngai non za kuya kuya de non je suis médecin de formation je suis spécialiste na ma diplôme pena authentifié na réunion c'est bien alors na na zonga na sala on n'a jamais été prophète chez soi. Ozomona makambo ya COVID ninge bandaka na ba Chine na ba États-Unis na ba poto wana bato bazo kufa chaque jour en termes de millions. Alors ce qu'on a Afrique comme rana noté alors ce qu'on yo biso awa to développer o ba bengaka je m'excuse en anglais ba bengaka deny déni na français je crois. De développer déni, c'est-à-dire déni on est en ligne, c'est un mot psychologique où est comme il a le peuple, ce que le mot où il y a mon nez où il a mais basan ma coquille à quoi se défendre t'es, basan mon nom est bandi quelque part, ce que les gens étaient guerres où il y a, donc ce que yo état on a psychologique au sein du peuple et bandas ce que yo qu'on refoulé ma cambouana psychologiquement et bandas colo par exemple ceux qui pour la moto donc ils ont pris ce qu'on a raison il y avait pas un bateau donc yangoana n'attend qu'on nous montre qui dans COVID de Zoya ministère de la santé comment qui cible y a peuple oui oui nous on monte net ministère wana, star numéro un à un moment wana, nous tous on vous regardez vous êtes comme un homme de Dieu oui oui net ministère wana et comment qui net star Zoloba donc il s'est fait que à ce moment-là, c'est moi qui étais le ministre. Il y a un moment qui m'a cabonné surtout. Il y a peuple, confinga surtout. Wana kolobao était ni azo azo yiba ba cadavre. Oui oui oui. Azo somba ba cadavre. Bon coup c'est la bateau. Covid. Voilà. Il y a OMS et tout ça. Oui oui tout ça. Bozo boma bateau na butu be bozo yiba. Au moins un jour moko. Bah benginga, monsieur le ministre, kende na kisenso. Bakangi ba infirmier moko na ba ko coopérer ba son ba cadavre wana ba keno ba mema wana OMS pona OMS oui oui pona malgré que nga mona ki ngweza impossible ba ko sala monter na kiti quand même na bilili pona ba tunyo surtout na ko makuna ndo ane ba infirmier ba tuanda ko ya pona ko relaxer ba tu mu tanga ko fa na COVID pona relaxer ba tout ala pona to forma ba infirmier ceux qui cadavre moko ya COVID a komi beaucoup de l'observatoire, on dirait nini, bah pour ça on a permis d'entendre nini, y a qu'au zala, na cadavre on a pas na bah ni les zalaté, bah tu vois là toi bah monica bah infirmière bah zoya aller, bah kangi bah comme ko beta bah toi, maman moi kuta zagi na zemi infirmière moi kuna, na kita kuna, oh bah comme si on kouanga na bangomo, oh zaba bangomo tu vas salaki ango bisote, bah jeune à quartier on doit saler tout ça, voilà, donc nous ce toi là pour moi tant que professionnel n'andi magi n'angai. Non, on dit non, masoumou ya nation. Masoumou nyo sotou wana. Pour na na sala mousse. Parce que j'étais nadaki focus, focalisé na makambo ya moussala wana. Et je vous dirai aujourd'hui, monsieur le journaliste. Ok. Congo, à travers Ngaï, nazako na livre on a ndako. Ok. Moi, on a ramouta tindeli ngango. Alors, bien, moni, image na Ngaï, université moko ya États-Unis, et poni, 5 Batu oyo ba géré pas seulement COVID mais ba épidémie très bien pendant cette période là. OK. Ba tie Tenilongo, ba tie Congo. OK. Ba tie Tenilongo. Wow. Na na livre ngo. OK. On n'a jamais été prophète chez soi. OK. Ils ont cité professeur Muyembe, ils ont cité Tenilongo. Na za na livre ngo on anda. Na so bon bien on a archive na ngai. Merci. Wana za li kambo ya malamo. Mais mutuna na ngai parce que le temps nous fait défaut na yo to ko sala ta 5e dit avant que si la était parce qu'il y a tellement à parler avec vous avant to ko ta vraiment na terrain politique na ngai to si ça dossier oyo le professeur Muyembe jusqu'aujourd'hui il est là il y avait aussi trop de choses hein qui vous avez kufuta bamote vous lagi bambongo na bango bambongo bato ba COVID ba misuba benga to tile lo so eteni ba nyongo na biso comment on gère le dossier en gros? Est-ce que mon gens ont le pas na yo yo to ko futa bango bezaine parce que mon COVID ba mon na ka longi na ozako COVID
Non, non. Ozomo na mbongo wana, na COVID mo bimba wana, na période wana COVID, on a andai ko géré yango. Mbongo écoute, pardon, écoute aki na caisse, ya ministère de la santé. Okay. Oui, outi na gouvernement, écoute na caisse ministère de la santé. Il y a à peu près 3 millions ou 3 millions 200 000. Alors, na mbongo wana na zui 1 million 500, na pesi na inerbete structure on va secrétariat technique. OK. Parce que bah to créer un secrétariat technique aux qui géré par le professeur Muyembe pour na gérer du point de vue technique makambo ya ya Covid wana. Donc na pesa ka bango. Donc je ko biso do tikalaka na de toute cette période là. Biso tikalaka na 1 million, ya wana to somaka ba ambulance, ba makambo bele bele ba kisi tout ça ba to andao lo ba Et ça qui 100 millions va pesa qui ministère wa sabio. Évidemment, on a eu des soutiens. OK. Il y a ba Banque mondiale, il y a ba OMS, ba Nini tout ça. Il y a ba fonds FPI. Hein. Alors, toujours mais bango soutien na bango za Nini. Boko ça la planning na bango. Boloi par exemple le pays, ils en a besoin, il y a autant d'ambulances. Ils en a besoin, il y a ba kisiboy. Ils en a besoin, il y a réfectionner les hôpitaux. Ils en a besoin, il y a boyer. Bah moi, si vous voyez, on a plan wana, batali, bah biso, tu gozoa ligne, il y a dépenses oyo. Par exemple, tu sommes la bino ambulance. Donc, bah ke bango moko, bah sommes bino ambulance, bah yko pesa bino ambulance. Bah tu vas quand ça, que ceux qui balobi FMI ou bien Banque mondiale. Et aider ministère na 1 million bagazage bayena écoute kana biyoko bango basominde 1 million bayebo pesa merci bango ba twa kanza ba pesi ministère 1 million wana cash merci et la ndi wana te donc ba 47 millions wana ko yoka wana banini et ayi nango ya lokota biso ba kangote ba fake news biso o ele kaka na nini na biso zale kaka 1 million 500 merci o le te pesa biso pona to somba ambulance wa kisi bani et c'est ce qui était fait. Merci mwana mboka eteni lomondo to koti na virage ya suka ya bizoko to koti na ngomba to okita melaka mai ezana ngo problème te peuple ndé asenga yo kana koya. Parlons du processus électoral. Parlons-en parce que ça aussi c'est important mais j'aimerais papa Freddy pesanga photo ya le chef de l'État Christian Tshiwewe et le monsieur là qui est devenu le voyou de la République. John Numbi, ici, j'aimerais bien voir ça. Alors, Monsieur Eteni Longondo, John Numbi a parlé, il a dit, le président qui est ici, lui, il était au four et au moulin pour que Yaza l'accepte comme président. Il y a également la réaction de Christian Tshiwewe qui a dit, si lui est homme, Azamoubali, Aya, Babunda, basta la guerre. Alors, devant ce spectacle désolant que l'UDPS est en train d'offrir à la République, vous avez l'autorité, l'UDPS, moi, je suis là. Bah, tu vas arrêter, Nini. Et ça, le Kouta, et ça, solo, tu vas arrêter, l'UDPS, c'est la repentance nationale. Yoka, yoka. Moutoua lobby, yekunaza, ce qui wapi. En cabale, ceux qui n'ont pas de parce que... Je vraiment au téléman la question. Mobali... Téléman. Mobali, Mobali, ceux qui sont là, il faut aller là. Ne t'en as pas. D'accord, côté. Il faut... Mobali, ceux qui sont là, il faut aller là. Aux alawana. Au coco, le bâti, aux bombes, on a fait ça. Yaka, ne t'en as pas de bâti, on a eu des pèses. Tous ala qui a wa, bunda, bâti, oiseau, koufa, misous, oiseau, téléman, on a... Tous ala pour la démocratie. Mais il y a une bombe dans la salle, mais ça a été un boye. John Numbi. Pour ça, à côté de John Numbi, c'est comme ça. Il y a un peu. Mais ce qui est un peu, il y a un peu de boue dans la salle. Il y a un peu de boue dans la salle. Il y a un peu de boue dans la salle. John Numbi n'était pas menti, c'est la source. Non, non. Moi, j'étais parmi les bateaux. Bazalaiko solo là, na bato ya FCC. Ah ok, vous êtes là-bas. Oui, toi non, solo là-bas. Pour na tous là ensemble. Il faut tous solo là-bas. Ok. Total, on est là-bas. Bazalaiko solo.
pour autant qu'il bango aux autres on n'a pas parce qu'ils sont secrets accord ni des allègues accord ni des allègues wana auto salaire to lobby voilà bino par exemple boyé na 65 ministres biso toyé na 35 ministres pourquoi parce que bango bazala qui na ba député bile aux autres mona na ndenge tozwa ki pouvoir biso tozwi présidence bango bazwa ki parlement parce que bazala ki majoritaire ka c'est ça qui n'accord bango bazwa bazwa parlement non non accord accord le salamaki après 5 ans bango bazongi non non accord le salamaki après o tozo lo bawana accord les anaki na ndenge nini biso to kende ensemble pour nato sauver mboka na biso et la tête tibino boza na parlement boza ebelé boko na ko tchaka président bakal tout ça pour na président azwa moyen de blocage c'était ça bakol parce que ils a administration ça politique donc il faut boyer bandenge nini ya ko ça là parce que il faut payer gagner bino boza na parlementaire boza majorité kunate boza na président ceux qui présentent dans la vision naie aligné ça la voyant ça la voyant ça va bloquer on a parlé mais bon ça ni ils ont qui ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont amoké ils ont appelé la France ils ont appelé la Nine quand oh la France est illégal oh la France est illégal et l'anda qui va ordre constitutionnel mais oui mais c'est un accord mafieux selon nous mais aya vous prouvez que c'était naoki à lobby au yom ta salaire que présent à la wana milo gandingo andi misaye ba politique Aya ko prouver yango parce que yazo lo ba makamo ndengwa na okoki d'abord yazo lo ba ndengwa na parce que il est perdant azana ba makambo ebele awa na Congo o na ko lo ba te makamo ni ba assassiner ba nini tout ça mais ba funda yawa John nous c'était un assassin mais ozo mona banani tout ça ba tuna na mona tant ba osambi sa ba soda pour na makamba chebe ya tout ça ba c'était toujours comme na ye Kasi babu babu pour ça les a politique beaucoup les a politique comment Chebeya 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 ingratitude d'aide pèse et il y a un fait qui est vrai Chebeya était assassiné est-ce que assassiné ou il y a dans le vide il faut mutua zarat na kati abatua bazo citeye yango na kimaki Kile bien ici. Ngepe chebo okenda kufa bazo cité pe batu dans tolo bete za bangwana. Mais est-ce que batu ba kimi o batu ba o cité batu wana bako apare bako zala. So juge a bengi bango bako zala. Bozo se. Mais yepe neti juge a robenga aya. Ezate ko ke kuna musika o bandini na sia mesa okumi ko loba makambo belé tout ça. Congo awa toza uni. OK. Congo toza uni. Équateur, Katanga, Kasai. Bani ni nyonga toza uni makambo yo okoke ndo lobao katange bani tout ça eza makambo eza révolu parce que eloko bango ba sentir eza lokwa régime ya balubo ekomi mikolo ndenge ba opposa ba lobby bo komi lokwa ngana za na régime wana ese ngana za mulubo yo na bin ndenge ba opposa ba ngana za kuna ese ngana za mulubo contre les katangé vous êtes en train de travailler pour asphyxier tous les Katangais, voilà pourquoi lui fait appel à ses frères. Et aussi, il a dit, c'est eux le faiseur et un monstre. C'est eux le faiseur et un monstre. Batou Oyo va bénéficier d'un régime Oyo Mingi. Les bananes. Qu'on se le dise la vérité. Babé Zabalou, selon Bali, c'est le monde qui va Bachina, Bachina, Baluna, Balou, Bazé, Bela. Batou. Oh, les gars, tuez. Mouné, Bachina, Bela. Bazé, Bela. Bachina, Zaka, Rasso, Yorika, Bachina, Zaka, Mouluba. Ok. Sous mon peuple, Kassim. Alors, moi, dans ce temps, je suis belé au bazar, cadre du gouvernement. Et ça, mingi na bango ça, pas katangé. Na ko tanga ba komo na bango ate pour le respect. Et ça, président mutazo linga unité nationale. Et ça, okokuta ba katangé na gouvernement. Okokuta ba équatorien. Okokuta ba tobandundu. Okokuta ba tuanine. Ba tuanine. Et ça, kaka balou bate. Alors. Non, maintenant, bino bokuluba oh boye tout ça. Na oza au bombay quelque part au zoloba voilà gouvernement ya baluba gouvernement ya. Asaki na ba généraux ba. Non. On wana eza makambo eza révolte. Ozomona Congo oyo. Et ozala sou dirigé parce que ce ga zandi wana peut-être batu moko ya mboka mo boye. On a autant comme tu bazo benge ba wisa mo bulu wana biso toza sima na yo kaka yo shaide c'est un patriote il voit les dangers dans le pays quel danger makambo biso mo ba congolais
toujours tout le monde est danger. Ah non, mais il y a un nouveau dictateur. Contraire... Il a parlé qu'il y a un nouveau dictateur. Ah. Les monstres qu'ils ont créés. Il semble que c'est comme un dictateur. Ça m'a commandé un jour, ça l'a vanté. Bindo va journaliste à Boulubaka et Bélé à tout ça. Est-ce que Nathan, le gouvernement passé, mais nous tous en a basé à Tomboliote. C'est quoi, aux autres, aux Seka, aux autres, Camerès, aux Mona, tout ça, aux autres, aux Bino. Bien. Aux Mona. Donc, dictature, ils allaient à terre. Tant que nous avons le président, nous avons le Bino, tu es qu'ils allaient. Pour la flatterie. Mm-hmm. Parce que moto yo roloba flatterie. Pour y aller bien. OK. Ngana. Bandana est depuis Kala. Mm-hmm. Na bandana est depuis Kala. Na yebi ndenge ni nyazali. Mm-hmm. Amour na ya pays. Na yebi ndenge ni alingi démocratie awa. Mm-hmm. Parce que batuming bazalaka, ceux qui moto alingi a fait respecter loi. Mm-hmm. A commis dictateur. Et pourtant, mibeko komami. Attends, les États-Unis. Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution. Non, à violent, on a wapi. Tshisekedi n'a jamais violé la Constitution. À violent, on a wapi. Moi, je ne crois pas. Mais Yom Tozolo. Ferdinand Kambere qui m'a dit c'était un régime qui s'est distingué de la violation en plus de la Constitution. Bon, on a un langage opposant. C'est le monde a droit. Moi, je suis médecin, je fais pratiquement. Science exacte, mais bah juriste au moins on doit interpréter loi ou bien on interprète. Moi-même, dans la yoka rabango, je suis confus. Ceux qui ont lobby au Gandzane d'Abia solo. Moi, je n'appelle pas ton regard contredit au Gandzane d'Abia lobby à solo. Alors, yo, aux gens yo outsider. Au début, ma gambezo les Ghana on a été. Alors, au loba négéni. On dit manani au loba. Alors, mais oh yo na loba na yo awa. Biso to bundela qui pour un respect. Il y a droit. Pour le respect à la Constitution, tout le monde a été changé. Bon, nous avons changé la Constitution. Nous avons un député national, Paul Tshilombo, il faut changer la Constitution. On a des opinions. Quand il y a une IDPS, il y a une IDPS. Non, non, tout le monde a une IDPS. Je respecte ce que tu as dit. Député IDPS, il y a une IDPS. Non, il y a un individu. Il y a un individu. Il y a un individu. Il y a un. Mais exactement, ce que je souhaite, je souhaite que ce soit comme ça, et ça va être bambé dans les dépenses. Moi, je ne crois pas. La photo est en parce que nous devons chiter avant tout côté, dans les opposants. Photo qu'on a en anga. Ce qui est de côté de l'ongondo, lelo, bobo, il y a un peu de numbi, mais il y a quelqu'un qui était rédacteur de l'accord. Corneille Nanga, lui c'est pas un soldat, lui c'est un civil. Il a quand même dit des vérités à la nation, à vider conscience naïe. Alors, qui est à Corneille Zani? Yolande Kede? Alors, lui il est rédacteur de l'accord. Oh, il est comme ça, il a pouvoir. Nanga l'a dit. À cause, moi, je connais. Ngaï, naïe, monsieur. Ngaï, nous n'en avons qu'à discuter. Makambo, il y a ma collaboration à Bissot, FCC Cash, j'étais là. Il y avait. Le président Kabound à l'époque, il y avait le secrétaire général Augustin, il y avait moi, il y avait l'ancien ministre d'État Rubens, il y avait le feu Jacques Ilunga, ça c'est du côté de l'UDP, et puis il y avait le feu papa Kitengeyezu, et puis il y avait le vieux Mwamba qui était là-dedans. Alors, de l'autre côté, il y avait les Chadari, il y avait le. Chadar a été là. Il a été là. Il a été là. Donc, tant que nous signons, nous allons là. La personne la mieux placée. Nous, on a. Ceux qui ont dit qu'il y a un accord, il y a un accord, tout ça. Il n'y a pas eu un accord signé dans le cadre de. Mais Bissot, on a reconnaître, on a sali. Et ça, tout le monde a négocié. Ensemble, tout le monde. Tout gérer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, Bango va comprendre en côté. Est-ce qu'il y a 5 ans que nous avons géré 5 ans? On peut gérer 5 ans. On est en accord. Merci. Notre émission, je précise bien la personne qui est ici. En tout cas, à Koronga, au biso, on va discuter. Il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, on peut noter, Nanda Koke, Papa Nanga Kosi. C'est un menteur.
Mais sera le vérité mais à qui le bon on a les bandes à terre et le bon quoi. Donc bah là-bas noté sous que papa John nous mettait menté. Comment y opposition ils ont raté que Yango Bisso, Tolanda, mentor Nabisso, il y a bandes au moins une période à Mobutuana. Et les gars écoutent période à Kabila. Mais il y a bandes comme ça l'opposition sur place. Ok. Mais bah on se voit ça l'opposition sur place. Il y a bah Kangaka y est combien de fois? Sphinx. Kotindaye, Naba Nini, tout ça, Naba Nanaena, Oyaza, président Sikoyo, président Félix Tshisekedi. Donc, Baba Peru, Bango, 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 Ouais. Mabé, critiqué. C'est que oui, ça la marque n'a Poto, n'a pas États-Unis, n'a pas tout. C'est ce que vous souhaitez aussi. C'est ce que je souhaite. Ah, okay. Et c'est ce que le président souhaite aussi. Malgré vos bégis, bah critique, bah critique toboïté. Mais coco sa peuple, kofingana. Ok. Koloba makamba lokuta, oyoane ezali ko provoquer batu pona makambo ebeba. Wana loi. Ezako tu président Félix te. Ou bien ils ont eu des pestes, ils ont loi, il y a pays. Oui, le bac, ce que le bilan bouboye, il faut prouver en gros. Okay. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci. D'écouter le monde, parce que nous reste quelques minutes, nous devons acheter. Je note que au lobby, awa, que tous en opposition, ils ont consommé mic. En tout cas, avec les réseaux. Non, tu vois ce exemple, car donc il y a des gens qui ont cru que même à ta dani, à comment ministre Sikoyo na autant à comboté, il est pas le je monte au côté na parlement. Oh kende ngana nazo critiquer yo na yo critique kende en face na ngai au moins ndenge batu bazo texte abibembe wana. Ngarobi c'est vrai maman, à ton niveau. Olo makambo ya boy. Si quoi, il y a mon père comme ministre. À tout, na ba archive, qu'on a ce qui gouvernement attend. Je salue maman Mbazaï, Babisa, Mbazaï, Napé. Je n'ai pas cité. Je salue les gens. C'est mes salutations. Moi, je vais arrêter le mondo. Je n'ai pas cité les gens. Avant la dernière question, j'aimerais avoir la photo de. Le docteur Mukwege, s'il vous plaît. Parlons des opposants. Le chef de l'État a aussi déposé sa candidature. Pas à la réélu. La propre succession est Moko. Mais Batebele, vous n'avez pas un bilan. Il y a coupé sa peuple pour être pour Nabino. Mais Ebele a battu l'opinion, j'étais dévolu à Bango et pas un de Gomoukwege. Oh, le premier sous ma compagnie qui n'est pas chef de l'État à Lubaki, qui est candidat à étranger, candidat à genre. Mais pourquoi s'attaquer à un homme qui a la population? Un homme qui est aimé, un homme qui a un carnet d'adresse, alors que Lukamu na Rwanda tiene biselele, donc quelqu'un comme Dr Mukwege. Bon, ngai, Omoni, Dr Mukwege, c'est un médecin comme moi, a sali prix science. Nobel, il faut battre. Prix Nobel, voilà. Namoni batouana bazo reprendre vidéo au président Lubaki. Avant d'avoir eu le prix Nobel, et moi, je n'ai pas eu le prix Nobel. Parce que ça, c'est quand même une fierté. Il y a Bissot, il y a Mboka. Mais il fallait attirer à un niveau. Attirer à un niveau scientifique. Je m'en dis à ce sala. Pour Nangaï. On a dictature. Parce que, non. Pour Nangaï, quand même, tu as une politique. Okay. Ceux qui a salam abe, ceux qui a salam alamu, n'était pas plus Nobel naïe wana, il fallait attirer à niveau wana. Mais si koyo yé a kanisi que niveau wana a koyo komé mango na la politique. Na politique. Un mauvais choix. Un très mauvais choix. Okay. Omoni nani le grand savant. Il y a 20e siècle. Socrate? Non, l'Israélien, comment l'Américain. Son nom est quoi? Non, comme ça, comme on était. Oui, Bimsaki formule, il y a vitesse, hein, je crois, quelque chose comme ça. Bon, comme on est quoi? Ben, Benga Kaye, comme président d'Israël.
ayebsi bango rubi bokanza te kenit nanda mayele na science noza la mayele na politique botika ngai na landela makam na science na idée monde parce que aida monde na ba, parce que formule ne wana ezali na ba application na makambo ebele ata na ba internet ou ça c'est ko formule ezana kationa aboya ki na e mesiko o ya biso awa ba pousser na bato ba zo kosa dans les étrangers ah OK à ça la bouche tu ko soutenir yo tu ko soutenir yo tu ko soutenir yo ozomona Afrique est comme qu'on s'est réveillé, papa. Ok. Makambo était là en 1960. Les étrangers va soutenir Mobutu Abimi. Les étrangers va Saliboye, va Bèze va soutenir Mobutu Abimi. Va dicter yo balobi zone à gouvernement Mobutu Abimi. Makambo on a abou bia et sila que les gens ne rêvent, ne continuent plus à rêver. États-Unis, France, Belgique, Canada, aucun pays va pouvoir dicter biso président la biso. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Tu boy te que tu collaborer dans ba pays wana, diplomatie, ba projet de développement, tout ça, mais ko imposer système na biso et sili. Est-ce que l'avait vraiment parlé alors, si des lui, gens na sans ba doit. Alors, ce qui aye na idée wana. Aye ba que l'Afrique se réveille. Yo za scientifique, Jean Oya Lubelaki comme médecin, yo comprenant qu'on aime parce que il y a 36 gens et Jean comme médecin, il y a le baki mangwa, Jean le baki transgenre, mais pourquoi? Non. Pour prêter ben intention, c'est comme si aye na mangwa homosexuel. Transgenre et za batou. Oyo. Ba misala ka opération. Ba longwe bana basi. Ba komi bale, ba komi basi. Genre et sa notion moko ya sikoyo ou ezo ko émergé. OK. Ozomona. O ezo ke ce qui moi na botami. Akoko pona. Ce ya dans mobali ou bien moisi. À la contre de la nature, ce ka zokola. Et ça na ba pays mususu. OK. Moi na botami, moi na mbali mais aponi nae na notion na genre kaza moi na moisi. OK. L'orientation sexuelle. L'étape est notée. Ok. Bon, mon ami, ma vidéo, Moussousou, il y a président en France, les autres tambours là, Azol, Banabana, Mike, tout ça. Namona, écoute, Moko, les États-Unis, avec Passola, Banini, tout ça. Ozomona, ils ont une notion, on a eu un envoi. Donc, ils ont une notion, Moko. Non, c'est un homme dangereux. Moko, c'est un homme dangereux. En tout cas, côté Wana. Côté wana na koyo ko ndimaya ta mukete parce que merci akoyo ko memela biso il mauvais influence ya ba nini wana awate biso watu ebi ndenge nzamba salio mbali a salio mwasi il faut tikala ndenge wana soko zana ba tendance ya ba hormone ou ya ba nini ba koyo ko soigner ba na ba hormone ba nini tout ça ba nzete pesa na ngwa ba kisa boko ezali atike la biso makambu ya ba respect soki mwana mbali akumilo ba gaza mwana mwasi il faut respecter tout ça des histoires comme merci. Ça merci. Merci mon Amboka. La photo de Fayulu, on termine l'émission parce que quand même il y a l'âme qui se réclame candidat unique de l'opposition, M. Martin Fayulu. Avez-vous peur que si cette opposition va s'engager, le bloc contre Tshisekedi, vous allez perdre? Basangana. Toboit, Basangana. Fayulu, Katumbi, Matata. Basangana. C'est Sangana et les autres Basangani, Bokolonga, vous. Papa. Oui, mais l'histoire, il y a Genval. Oui, il était à Genève. À Genève. Bah, ça n'a quitté. Oui. Et sous quel dernier? Cache l'homme. Quand il y a Baton, tu sais, il y a Katumbi, il y a Badani et tout ça. Bah, je ne sais pas si tu es un peu, bah, comprendre après. Il y a des gens qui ont été déposés. Si tu as une vision, tu as un pays, tu as une vision, 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 tu as une vision,
Alors, le 20 décembre, Namukolo a voté. Ils ont la présidente de la République, ils ont les députés nationaux, ils ont les députés provinciaux. Il faut au Kanisa Malamu. Qu'on vote pour Namuto Aya qui peut s'engager t-shirt, ou bien pour Namuto Ana Bayem Bagayi na Werason, ou bien à JP Piana, ou bien Mutango Aza. Bogar, ou bien là, t'as bien, ou bien il y a des gens qui ont voté pour voter dans les gens. Mais quand il y a des gens qui ont voté, il y a des gens qui ont voté depuis l'année passée. Si il faut que chaque Congolais ait venir à venir dans ma boîte. Voter moutou Oyo, pour y bien dans le quartier, Oyo a voté pour ça quelque chose pour na. Mboka na yo pour na quartier na yo ba 1000 francs o ba pesa kabino ezan bongo ya Congo bozwango osombe na mikate ou bien osombe na kwanga même mukolo oyo okokende na urne devant urne il faut okanisa cette fois. Merci mwana mboka Eteni Longondo. Je précise que vous êtes l'ancien ministre de la santé au cadre notable des Grands Équateurs. Merci na exercice de Dimito qu'on partage na yo peuple bazagine c'est moi qui vous avez répondu à l'invitation ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Les prochains sur la liste, je viens de parler avec lui, il s'appelle l'ancien ministre aussi monsieur Willy Bakunga. Ce plateau a besoin de vous. Dans quelques jours, je vais le recevoir lui aussi. Il va vous parler après Bouchab, Bolanda qui est moi, Mingi, M. Eteni Longondo. Il a parlé, espérons que vous allez bien consommer cette émission dans les réseaux sociaux. L'homme est là. On va encore faire l'émission. Naba élément plus, il y a Grand Équateur. Est-ce qu'à Kosibiso, toi le bisolo. N'indimite à Kosi parce qu'il y a Psinga Anaba Image. TV Zali Radio. Merci à l'équipe qui m'a accompagné ce matin derrière la caméra, Madame Percé. Et côté son, Monsieur Sacré et la réalisation de Monsieur Lazika avec Papa Freddy. Restez fidèles sur la chaîne de la maman, la rediffusion. Ça va être là. Au revoir.